les pirates du web ont à leur disposition toute une palette d'outils. Les virus sont des programmes informatiques qui, une fois présents sur un ordinateur, vont se dupliquer dans les fichiers sains. Ils se transmettent la plupart du temps par email. Les vers sont eux aussi des programmes malveillants mais autonomes. Ils n'ont pas besoin de fichiers hôtes et peuvent, sans intervention humaine, se répandre dans un réseau informatique. Les virus comme les vers sont utilisés pour détruire ou modifier une partie des fichiers et peuvent causer des dégâts importants. Les chevaux de Troie sont des programmes qui permettent de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur en ouvrant une porte dérobée permettant d'accéder au système. Les pirates s'en servent notamment pour bloquer un serveur, ils ordonnent simultanément à un grand nombre de machines d'envoyer une requête à un serveur. Submerger ce dernier est alors hors service. Quant au logiciel espion, il cherche plutôt à collecter les données présentes sur l'ordinateur en toute discrétion. Mails officiels falsifiés, sites internet détournés, d'autres techniques existent. Mais dans les faits, la majorité des attaques tient de l'escroquerie, les pirates récupèrent des données personnelles, mots de passe ou coordonnées de cartes bancaires pour les utiliser à leur profit.